Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universis 4. Donc on reprend notre petite partie héritage. Ouais, bon, bah t'as ma première armée qui arrive. Mingo Club Tuning, ouais, vas-y, fais-toi plaise. Niveau technologique, administratif, ouais, on va se le prendre quand même. Voilà, et il va au lui, à Donorvi. Ouais, il va au sud. Mingo Club Sartou, nous on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est juste le sortir le Buriata. Il est où mon deuxième là? Putain. On va l'envoyer là-bas directement. Oh! Là, le siège, on attend. Allez, crac. Ouais, c'est bon, il a cassé le siège. Mes vassaux, ils font quoi au fait? En ordre, ouais, venez faire la guerre, mais ils sont. Ah putain. Sistan, placate local relieur. Teutonic Order, on va le placarder aussi. On va le replacarder. Pskov, voilà. La Russie occupe. Ensuite, hein, c'est quoi ça? Supporte la musique baroque. Prestige, ouais, ça coûte un peu de fric. On prend. Les taxes de guerre, un peu. Non, Kashgar à la CG, qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Lui, on va le mettre avec celui-là de général. On va aller là-bas en premier lieu. Russie occupe Onangol. Urkan. Ah, je vais leur tomber dessus, c'est obligé, ils peuvent pas me battre. Peut-être regarder dans les conseillers si on peut plutôt avoir un conseiller discipline plutôt qu'un conseiller Land Force Limit Modifier, comment dire. Pas qu'on s'en bat les couilles, mais la discipline serait sacrément plus importante et il faut 230. J'annonce, on va pas s'emmerder. Discipline, voilà, hop. La voilà, corruption, on verra plus tard. Voilà. On va pas cracher dessus parce que si on. Ah, l'autre il s'est déjà barré cet enculé. Putain. Il sera là-bas le 14 octobre.
Buriata, si je veux ça. Stackwipe? Bah oui! Bah oui! Bah oui, c'est sûr! Un Stackwipe? Bah, normal. Normal, le mec, si tu me vois plus, vas-y, défonce-moi. Ah bah ouais. Ouais, Stackwipe, le mec, ok. Non, mais bien, quoi. La Russie occupe Hurkan. D'accord, Stackwipe. Ouais, soyons fous. Ouais. Pas grave, Barguzine, c'est là-haut. Donc, Buriata, si tu te demandes tout ça. 135, 145. Bientôt, attends que je te prenne ta première province, on en parlera un petit peu. Buriata 140, 143, bah dès que j'ai pris celle-là. Est-ce que là tu serais prêt à accepter mon offre de paix? 140, 145. Là je pense que tu serais ok. Voilà. Oudé, c'est là Oudé? Version 6, donc là on fait un corps en premier lieu. Ici, eux ils vont où? Ils vont à Mergen. Il y arrive quoi à Mergen le 26 mars? Là, on va courser 10 avril, 3 avril. J'arrive une semaine après, on va le défoncer. Enfin, j'espère. On a gagné, mais tchouah! Ah, faut éviter l'affrontement contre le Ming. Waouh! Et l'autre armée, on la met derrière. Le Blue Squadron, on va le rapatrier là-bas. On va foutre tout ça à Elsborg. Bien, il est en train de s'occuper de Sistan. Bah vas-y, fais-toi plaisir, Lemine. Va faire mumuse à Sistan. Par contre, le problème c'est que par là c'est facile. Donc ça, ici, celle-là, on va l'augmenter en taille. L'armée est arrivée. Kashgar assiégé. L'armée, la flotte est arrivée. C'est dans les montagnes. Donc, attendez que je regarde le min combien il a d'hommes quoi. Il a 39 000. Ah, il a plus de manpower. Il a 200 000 hommes. Bon, ça va. Je croyais qu'il avait 240 000 hommes.
Voyons. On va laisser 1000 hommes ici. Et si on prend ça, est-ce qu'on peut l'intercepter? Le 13 juillet, j'arrive au 18. Lui. Le 30 juillet, j'arrive le 29. On va quand même mettre une marche forcée. Lui. En marche forcée pour aller là-bas et ensuite il revient. Le but c'est qu'on essaie de l'intercepter pour lui faire gaver mal, comme dirait l'autre. Voilà. Le but c'est bim, voilà. Allez, il perd 7000 hommes, j'en perds un tout petit peu moins. Hop, en marche normale. En marche normale. Voilà. Le but c'est ça, c'est vraiment de lui faire mal. On met un coup, on repart, on met un coup, on repart, et ainsi de suite. Et on va lui piller son territoire, et on va faire de l'attrition. Et on va faire une putain de guerre de. Une putain de guerre de sable. D'ailleurs, que je m'emmerde à mettre ça là-bas. Non, on va rester. Bon, on va aller libérer mes provinces. On les rassemble en une flotte. Eux qui sont là-bas, on les laisse ici. Alors en fait, on va partir d'ici et on va le défoncer. Il avait 200 000 hommes, combien il en a maintenant? Ah oui, il a plus que 100. Non, il avait 100. Oh putain, oui, il a plus que 167 000 hommes. Il a perdu 30 000 hommes. Donc on est plutôt pas mal. Donc celui-là. On va l'emmener là, ou on va l'emmener à Sartou. Ce qu'on gâte vite fait, la lassitude de guerre, on en est où? Pff, zéro. Et si je regarde. Ah, lui, regardez, lassitude de guerre. Il est déjà moins 8 d'enthousiasme de guerre. 2,8 de lassitude de guerre, voilà. Là, c'est là. Et je vous l'annonce, là, je n'ai pas d'impératif, à moins qu'on me déclare la guerre, et lui, je l'explose. Je le fais péter en vol. Le siège de Kashgar est terminé, pas grave. Ah oui, il y a ça aussi que je voulais faire. Discordant Zone. Ah oui, j'ai le temps avant d'en faire. On va les laisser. Voilà, regardez. Ils s'approchent de mes forteresses. Mingo Cube qui acte. Vas-y, fais-toi place par là-bas. On va le laisser s'amuser. Par contre, je crois que là, on va peut-être commencer à se taper la lassitude. Non, toujours pas. Bon, ça va, on est bien. Qui s'amuse? Qui s'amuse? Moi, je vais lui prendre ses provinces. Je vais dessiéger les miennes. Les rebelles. Ouais, la Russie occupe Sartou. Voilà. On va aller prendre 6 cigares aussi, histoire de. Ouais, libérer 6 cigares, bonne nouvelle. Bon, on va aller se prendre ça. On va aller se faire Andong. Ouais, occupe-toi les. Prends les territoires pourris, mon gars. Fais-toi plaisir, les Ming. Hop. Tout ça, on emmène là-bas. Sistan. 45, c'est bon, on va l'annexer. 61, 6. On attend que les navires arrivent. Ouais. Ok. 71, 6. Ah bon, j'avais pas vu qu'on était repassé bénéficiaire. On peut pas encore, mais bon, on va bientôt le rembourser. Occupe, le Ming occupe. Qui s'amuse, viens, voilà, viens là.
On attend qu'il soit au siège et là on va lui tomber dessus comme des porcs avec nos deux armées. Kalmykov, pas de souci. Voilà, on arrive à... Non, c'est pas le bon. On arrive là-bas. Ok, ici. Alors voyons, le 18 juillet et le 27 juillet, lui, il faut qu'il attende 9 jours. Donc le 13, on va baisser un peu la vitesse, histoire de pas se rater. 8, 9. Dix, onze, douze, on va vérifier comme ça. Lui, il arrive le 27, j'arrive le 26. Ok, on arrive avec tout le monde. Là, on lui tombe dessus avec tout le monde. On renouvelle. Voilà, là on a de la réserve derrière, on peut renforcer. Lui, il a de la réserve en infanterie. Voilà, et là on est en train de lui rouler dessus. Voilà, il s'effrite. Là, il y a les canons qui arrivent en... Oh putain! Ouais, surtout une attaque au moral qui a pris cher. Hop, 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 les gars là. Putain. Ah, il a un général de l'espace aussi. Hein. Fou! Ah oui, quand même. Bon, il a pris cher. J'ai pris. Il a pris cher, j'ai pris cher. Putain. Voilà, bon, on s'en fout. Je vous dirais, nous, on a du manpower. La différence entre le Ming et nous, c'est que, voilà, dans cette guerre, bah, il me reste 250 000 hommes. Il lui en reste combien? La rivale, non. Ah, il lui reste bah, 0 hommes et 130 000 de troupes. Là-bas, cimetière torpille, on s'en fout. Ce qui serait bien, c'est que l'Eurat reprenne la... Ah, l'Eurat, c'est bon! Regardez-moi ça, l'Eurat. L'Eurat va peut-être reprendre l'avantage. Après lui, on va l'envoyer avec... Avec cette armée là, là-bas. Il se replace, surmontant. Ouais, c'est bon. Voilà, lui, il va fuir où? Est-ce qu'il va fuir là-bas? Si je fuis là-bas, c'est bien, comme si il revient plus vite se prendre des claques. On passe en vitesse rapide. L'armée est arrivée. Voilà, mes deux armées sont arrivées. On est redevenu full. Mick occupe Aldange. Bon, pas les couilles. Fais-toi plaisir, le Ming. Moi, je vais prendre ta putain de province à la con là. Parce que là, je lui prends ça. Et après, je vais direction Pékin. Alors, regardez. Les séparatistes qui? Donc déjà, ça commence à proquer les rebelles. Et comme je vous dis, mais à part que c'est mes vassaux à la con, mes vassaux, par contre, je vais plutôt leur donner l'ordre de défendre. Faites des actions défensives, défendez le territoire, allez pas vous emmerder, parce que sinon cette bande de cons, ils vont péter les rebelles. Et il y a le tuning de fin d'épisode. Donc voilà. On va s'arrêter là les gens. Moi je vous dis bye bye et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde!